Bonjour, je viens d'avoir l'envie de vous faire une série de petites vidéos sur le thème du taoïsme, de l'énergie, des médecines ancestrales, de la transformation intérieure et un petit peu vous présenter les sujets qui me tiennent à cœur. Alors, bien, la première vidéo, ça va être l'explication de base de notre énergie créatrice, qu'on appelle aussi bien souvent énergie sexuelle. Ou le jing, tout simplement. C'est une énergie que l'on vient en fait avoir un petit peu comme une jauge. On vient au monde avec une certaine jauge qui est localisée alors en fonction des littératures, soit un petit peu au niveau des reins, entre le nombril et les reins, soit en fonction d'autres littératures, vraiment dans le petit bassin, au niveau des organes génitaux, que l'on soit femme ou que l'on soit homme. Là voilà, il va toujours y avoir comme ça un petit peu de différence dans les traditions, dans les littératures. C'est pas pour autant que l'une est plus juste que l'autre, je pense que ça dépend juste du regard que l'on pouvait avoir à l'époque et aussi du regard que l'on peut avoir actuellement. Et donc cette énergie, eh bien, c'est vraiment comme une jauge. Certaines personnes arrivent déjà à 100% et puis d'autres arrivent avec déjà une jauge un petit peu moins nourrie en fonction bien tout simplement de comment s'est développée la grossesse de notre maman et également de la qualité de l'énergie que notre père a mis pour notre confection. Donc on arrive un petit peu chacun avec cette jauge. Et cette jauge, on vient la nourrir au quotidien par notre alimentation, d'où vraiment l'importance de faire attention à la qualité des aliments que l'on mange, la façon dont on mange, le rythme. Quand je dis la façon, ça veut aussi être notre environnement en fait pour un repas. Et la qualité de l'air que l'on respire, notre stress, façon de nous positionner par rapport au stress, tout ça vient soit nourrir notre jauge ou au contraire la grignoter. Il faut savoir que sur une jauge qui serait à 100%, en moyenne, un adulte qui travaille et qui a une activité physique va venir dépenser au quotidien entre 60 et 70% de cette jauge. Donc c'est vraiment important de faire gaffe à son quotidien, à son alimentation, à son hydratation, à sa respiration et à sa gestion de l'environnement. Ce sur quoi on peut avoir de l'impact au moins. Donc pour revenir à nos moutons, on a cette énergie qui est, on va l'appeler le jing, notre énergie créatrice, notre énergie sexuelle, notre pulsion de vie. C'est de là que tout démarre en fait. Cette énergie, on peut aussi la perdre, alors chez les personnes possédant un système reproducteur masculin, eh bien, lors de l'éjaculation, et chez les personnes possédant un système reproducteur féminin, lors des règles, en fait, lors de la destruction des ovules. Il faut savoir, et là je vais plutôt parler par rapport aux personnes qui possèdent un organe reproducteur féminin, que ce sont en fait nos ovaires qui viennent nourrir les ovules et les charger en énergie. Ils vont venir les charger en énergie pour pouvoir soit avoir une grossesse prometteuse et transmettre à la future génération une belle jauge d'énergie, soit quand on va avoir nos règles, eh bien, on va perdre cette énergie un peu bêtement, soit si on a une certaine connaissance et une hygiène de vie avec des outils un petit peu spécifiques, eh bien, on va pouvoir venir transformer cette énergie en énergie vitale et avoir nos règles sans pour autant la perdre. Alors, ces petits exercices dont je vous parlais, d'hygiène du quotidien, mais ça peut être tout simplement des techniques respiratoires, des techniques méditatives. Je pense particulièrement à la respiration ovarienne ou à l'automassage de la poitrine. Alors bien souvent, ça fait rire, mais je ferai une vidéo vraiment sur ces deux outils qui sont vraiment super chouettes à pratiquer et on ressent très rapidement les effets. Et en fait, avec ces techniques-là, eh bien, on vient utiliser cette énergie qui est concentrée dans nos ovaires, en fait, avant qu'elle ne soit perdue par les ovules, eh bien, on vient la transformer en ce qu'on va appeler l'énergie vitale, donc celle qu'on a vraiment besoin pour le quotidien, et qui va venir alimenter nos organes, nos glandes, notre cœur, notre cerveau,
notre moelle épinière, mais qui va aussi avoir finalement de l'impact sur, en fonction des croyances bien évidemment, sur notre taux vibratoire, sur notre énergie santé spirituelle, sur notre esprit, ce qu'on va venir appeler le chêne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce sujet-là? Je pense que c'est déjà bien pour une première. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce format. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Cette vidéo est complètement improvisée, donc je m'excuse si elle est un petit peu brouillon. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos qui seront peut-être un petit peu moins improvisées, plus claires et plus posées, avec eh bien, vraiment des outils comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, la respiration ovarienne ou l'automassage de la poitrine. L'automassage de la poitrine, petite parenthèse, fonctionne sur tous les êtres, quel que soit leur genre, non-genre, système reproducteur. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas, si vous souhaitez, commenter. À bientôt!